Alors bonjour à vous, donc c'est David Laroche, là je suis à Los Angeles et j'avais envie de vous faire une vidéo parce que je suis dans une gratitude juste à 1000% et voilà, je kiffe cette vie, j'aime cette vie, j'honore ma vie, je m'aime, je suis fier de moi, j'aime mon corps, j'aime mes parents, j'aime ma chérie et j'aime tout ce qui se passe. En fait, j'ai envie de vous partager la sensation de pouvoir réaliser ses rêves, mais c'est vraiment un truc de fou. Je suis encore parti une quatrième fois aux États-Unis sans rendez-vous, sans savoir comment ça allait se passer, en appliquant ce que j'enseigne dans mes formations et dans les Wake Up Calls Premium. Et c'est juste magique ce qui se passe. Là, j'ai rencontré un type qui n'était pas du tout dans ma liste, mais un type qui. On a parlé vraiment de comment. Comment vraiment être bien en fait avec tout ce que la vie nous offre, peu importe que ça soit agréable ou désagréable. Voilà, j'ai vraiment de la gratitude, je suis dans une super belle pièce. Cet hôtel est vraiment cool. Là, je vous le montre très rapidement. Enfin, c'est une pièce de l'hôtel, on est en train de partir là justement. Voilà, bon, il y a la chambre par là, c'est un peu le bordel aussi. Et surtout, j'ai de la gratitude pour tout ça. Tout ça en fait, c'est. Tout le matériel là qu'on prend ici, un autre sac de matériel qui est là, de l'éclairage par là, encore de l'autre matériel par là, des caméras ici, 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 un peu de partout, l'ordi. Et en fait, pourquoi j'ai de la gratitude? Parce que j'ai toujours rêvé, enfin, depuis que je fais des interviews, rêvé de pouvoir faire des belles interviews, monter directement comme ça. Pouvoir partager de l'inspiration, pouvoir voyager, pouvoir apprendre l'anglais en même temps, pouvoir avancer, on va dire, dans ma propre évolution personnelle, ce que certains pourraient appeler ma quête spirituelle, en tout cas d'être en croissance. Et ça, je peux me l'offrir parce que justement, j'ai eu entre guillemets, le courage de m'offrir mes rêves. Il y en a qui s'offrent des vacances, je me suis offert mes rêves. J'ai investi du temps, j'ai investi de l'énergie, j'ai investi de l'argent, j'ai investi des efforts, j'ai investi du réseau. Tout ce qui était à ma possession pour m'offrir ce truc-là. Et je me rappelle toujours qu'à mes 18 ans, j'ai lu Robin et je me suis dit, ok, je vais apprendre à parler anglais. Et là, c'est comme si j'avais tout en même temps. Voyage, montage vidéo, pouvoir vous inspirer en même temps, le matériel qui suit, la technologie qui suit, voyager, apprendre l'anglais, rencontrer des Américains, parler anglais, faire des vidéos un peu partout dans le monde, vous faire voyager avec moi. Et vous aider à réaliser ce qui est important pour vous et vos rêves. Et je suis juste dans la gratitude. Je kiffe cette putain de vie. Et j'ai envie de vous partager que ce qui est intéressant dans ce qui se passe pour moi, c'est pas ce que j'atteins là, c'est surtout qui je deviens. Et je deviens une personne qui est de plus en plus centrée sur aider les gens, vous aider, faire une différence dans votre vie et vous partager un message comme quoi vous avez déjà tout ce qu'il faut maintenant pour être dans la gratitude. Il n'y a pas besoin de cette chambre ou de ce matériel pour être dans la gratitude. Il y a juste besoin de se décider de dire waouh, c'est j'ai tout ce qu'il me faut pour les j'ai les fondations parfaites pour m'aider à la passer à l'étape du dessus. Et ce que j'ai là, c'est rien du tout avec ce que je vais créer dans les 10 prochaines années pour moi et pour le monde. Et après, plus tard, j'aurai peut-être 40 personnes autour de moi pour faire de la production en direct et qu'il y aura peut-être 10 millions de téléspectateurs. Enfin. Qui suivront les interviews en direct dans plusieurs langues. Mais je vais pas attendre ça pour avoir de la gratitude. Dès maintenant, j'ai de la gratitude. Et je vous invite à avoir de la gratitude dès maintenant, partager cette vidéo et dire, allez, je vous donne un défi. Envoyez un SMS à une personne que vous aimez pour lui dire que vous l'aimez et pourquoi vous l'aimez. Faites ça et dites-moi en commentaire ce que ça vous a fait d'écrire à cette personne. Et moi, je vais écrire à une personne, tout de suite, une personne que j'aime, je vais choisir et je vais lui écrire. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut.